Et salut à tous! Coucou! Donc voici pour la partie 8 de Silent Hill 3. En espérant que je m'endorme pas pendant l'enregistrement vidéo. Ouais, comme ça au moins on continuera à voir tes commentaires. Et nous étions à la galerie, alors je sais plus trop ce qu'on avait comme objet pour nous permettre de continuer à avancer. Moi je ne peux pas te dire, je dormais. Mais je sais que, enfin normalement on a bientôt fini, ouais. Ce bouton et que je l'éteigne sans gaffe. Donc Alors. elle parle du micro, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Déjà, on va regarder ce qu'on a dans l'inventaire. Il y a quelques jours qu'on n'a pas... Quelle assurance vie. Porte qui est fermée, donc la clé de la maison. Donc là, on a une porte qui est fermée qu'on est censé pouvoir ouvrir maintenant. Non, non, pas le bon bouton. Alors, est-ce que c'est dans cet étage-là? Non. Ah. Là, j'ai des portes verrouillées. Je pense que c'est parce que je l'ai pas ouverte. Qu'il n'y a rien qui m'empêche de l'ouvrir. Là, ça m'apporterait rien de l'ouvrir parce que apparemment c'est bon, j'ai quand même déjà tout fait. Ah, deuxième, premier étage. Ouais. Deuxième, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, faut que j'aille au premier. Allez hop, c'est parti. Ah, il faut que je fasse tout le tour en fait. Fou comme deux jours que j'ai pas joué, j'ai perdu tous les repères que j'avais. Il faut que je m'en mette tout dans la tête là. Ouais, mais t'as plusieurs jeux aussi. Non, mais ils sont pas là les chiens. Faire peur le bruit, c'est tout. Donc sinon pour vous montrer à quel point on est décalé par rapport à la réalité, hein. Je remercie. Donc il y a Dorian Perez qui s'est abonné. Il y a quelqu'un d'autre aussi, mais apparemment il s'est plus affiché, c'est dommage. Enfin voilà, en tout cas le dernier qui s'est abonné aujourd'hui, donc c'est Dorian Perez. Donc on est le 23 février. C'est pour ça que quand on vous dit, enfin, quand je vous dis, je vous remercie à tous, c'est que vraiment. Vous allez voir qu'on va être décalé. En plus, surtout que je risque d'avoir mis des vidéos de Tomb Raider avant. Je sais pas, on verra. Donc, c'est bien ici qu'il fallait aller. Donc là, on va revoir les monstres. Fait. Faire mieux qu'une seule sortie que plusieurs sorties et... Tiens. Allez, mais lève-toi, espèce de feignante, bordel. Putain, c'est fait un double KO quoi. Tu fais même bruit quand tu manges. Voilà. Je suppose qu'on ne peut aller que là.
Tu rends tout ça. Quel horreur comme ça. Le roi et le peuple pleurèrent la mort de la bonne traîtresse. Dieu eut pitié d'eux et exauça leur vœu en la ressuscitant. La prêtresse ouvrit les yeux comme elle le faisait tous les matins. Elle retourna dans la tanière du monstre. Idiote, veux-tu mourir une deuxième fois? Non, c'est toi qui mourras. La prêtresse était venue terrasser le monstre. La prêtresse étant la bonté même, sa tâche la remplit de tristesse, mais elle n'avait pas le choix. Les glaives et les lances sont inutiles, les flèches et les balles ricocheraient. Je suis invincible, se moqua le monstre. Mais la prêtresse n'eut ni besoin de glaive ni de lance. Un sort suffit. Tu fuis, ego eris. Et alors le monstre lança un énorme cri, mourut et se volatilisa. Les villageois purent de nouveau sortir de la ville et ils vouèrent une reconnaissance absolue et éternelle à la prêtresse et vécurent heureux à jamais. Alors prêtresse, pas Ouais, alors. prêtre. Ah. Voilà. Voilà, on peut pas passer, hein. Et voilà, le monstre qui nous bouchait la sortie a disparu. Oh, nous avons lancé un sort et nous l'avons tué. Croire un peu dans Charmed. Ouais. Qui ne peut pas lire les formules à voix haute. Ah! Et hop, on revient dans le monde réel. Il y a vraiment de quoi devenir fou. On est dehors, donc tu n'as pas la carte du secteur. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Va bouger un peu, hein, on va se faire plaisir. Hein. Attends, je suis sur la bonne route et qu'on n'aura rien à fouiller. Ouais, je suis sur la bonne route. Ah, on va aller fouiller derrière, sait-on jamais. D'accord. Donc on rentre à la maison. Seul. C'est bien aussi, j'entends pas, j'entends rien. Alors, ça c'est la laverie, donc on voit que c'est vraiment les apparts pourris, hein, puisque. Pas chez moi. Parce que la laverie est sur le palier, donc bon, d'accord, c'est pas chez toi, mais j'aimerais bien aller ailleurs, tu vois. Moi, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Moi, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Elle habite dans le coin. Ça. Elle habite au centre. Là. On rentre à la maison, katana à la main. Dad, I'm home. Le siège et la télé ne vous rappellent rien? Something really crazy is going on. I think we should. Dad? Dad? Évidemment, depuis le 1, il n'a pas changé de costume. Hein. Sa veste marron avec son jean. Bah, il a le droit de les laver quand même, hein, je te rassure, mais il n'a pas changé de tenue, c'est tout. Et malheureusement, ben, c'est la fin des aventures de Harry Mason.
Et là, ça va chier. Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! Another reason. Mais c'est Chorzy? Quoi? Ah, t'as vu comment elle se tient? Hein? He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. Donc lui, pour le battre, il faut se mettre dans la nuit noire. La lumière qui l'attire. Le problème, c'est qu'on n'y voit pas grand chose non plus. On va prendre le pistolet. Mais en plus. Non, non. Pose dans la lumière aussi. Donc voilà, si vous êtes dans la lumière, il vous voit tirer, donc forcément il arrive à esquiver les balles avec ses griffes. Ouais, c'est pas passé loin. Donc voilà, d'un coup, hein, quand il est dans la pénombre, ben. Coup moins puissant. Ouais. Non. Ah ouais, j'ai mal quand même, hein. J'ai le cœur qui bat. Hein. Putain. Ce sera de mieux qu'un. Ok, ouais. Il y a moyen de lui foutre un coup de shotgun à la gueule, quand. Ah, il est mort. Donc là, c'est vraiment le conseil que je vous donne d'éteindre la lumière. Hein. Donc c'est justement ce Shiro Tetsuki que j'ai regardé ces vidéos qui, où j'ai appris ça. Et en effet, que c'est. C'est vraiment agréable quoi. Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead! He's murdered! Get out! This is all your fault. If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I
Sûr que ça sert à rien d'appeler une ambulance ou quoi que ce soit, hein. Non, eux, ils préfèrent mieux faire la cérémonie sur son lit, quoi. Hein. En même temps, comment expliquer aux autorités que nous, on a un katana à la main, mais c'est pas nous. C'est une créature qui a été appelée par Claudia. Sur le toit, il y a toujours une créature. Mais non, mais c'est que elle qui peut faire plus ou moins la voir, quoi. Ceux qui sont plus ou moins impliqués dans l'histoire qui peuvent voir la créature. Bah, faut appeler. Ce qui explique y a, qu'on voit personne dans la rue. Faut appeler James. James, il pourra confirmer. Ouais, mais James, il est mort. Faut appeler Maria alors. Maria, c'était un fantasme. Oh merde. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. La veste. Oui, voilà, plein de choses, hein. Qu'elle a une arme à feu, qu'elle a un fusil à pompe. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you going to get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by and we'll finish saying goodbye. Alors ce que j'aimais, c'est que là, en ce moment, donc, je suis en train de vous mettre les vidéos de Silent Hill 1. Moi, j'ai bientôt fini, il ne me reste plus qu'à la dernière à mettre. Et à chaque fois, YouTube me propose de m'aider à régler la lumière parce que le jeu est trop sombre. Donc je refuse à chaque fois, hein, parce que bon, évidemment, le but du jeu, c'est que justement, ce soit trop sombre. C'est un peu fait exprès. Ah, ça, c'est sûr qu'elle sera en colère contre toi, oui. Parce que si t'as sorti de là, c'est pas pour que tu y retournes de toi-même. Voilà, on a fini de dire au revoir, hein. Comme je vous disais, le fauteuil hein, qui ressemble grandement à celui de Silent Hill 2 devant la télé, évidemment. Ouais, d'accord, menteur quoi? Tu m'as fait sauter la première phrase, salope. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un soin ou quoi? Ça me donnerait hein, à récupérer. C'est vraiment toute la même cuisine à chaque fois. Hein. Là, on remarquera aussi qu'il y a quand même de belles musiques, mais ils les mettent pas autant en avant que dans le 2. Bien. Alors, on remarquera qu'à la base, quand même, elle préfère se promener avec un couteau papillon plutôt qu'avec le taser. C'est qu'une fois qu'elle a bien des armes meurtrières, qu'elle se décide de récupérer un taser. La porte d'entrée, elle est où dans tout ça en fait? Quoi? Ah, peut-être qu'il faut qu'on sorte par derrière de la baraque alors. Au pire, ça vous fera profiter de la belle musique. Faites sortir par là.
Ah bon. Ah, j'ai raté le point de sauvegarde, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. J'ai pas envie que la console me plante, je vais aller sauvegarder. Ah, trop tard. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Voilà, après 8 vidéos, hein, donc à peu près 4 heures de jeu, parce qu'une demi-heure par vidéo, on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet. What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Moi, cette musique-là, c'est une musique chantée. Pas juste un fond sonore. Chanson vraie avec des paroles. My head's pounding like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. Ah, je crois qu'on entend les paroles. Elle vient juste d'apparaître. En fait, dans ces paroles-là, c'est un... Elle, quand elle était petite, qui s'écrit à une lettre à elle pour être plus grand, et qui se dit, voilà, en espérant que ben, la vie est toujours aussi belle que quand elle était petite. Faut pas qu'elle désespère, faut qu'elle continue à avancer, qu'elle continue à garder le sourire, parce que de toute façon, si on est sur Terre, c'est pas pour avoir le sourire, c'est pas pour souffrir. Ça, malheureusement, hein, la vie en général vous apprend plutôt le contraire. Mais bon, en y mettant un peu de bonne volonté, en général, on arrive quand même à plus ou moins à être heureux. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, that god was killed by a single person. Voilà, oh là, la résumé Resident Evil, Silent Hill 1. The god was killed. The girl reappeared. She
she was holding a baby in her arms. Donc là, c'est la bonne fin de Silent Hill 1, évidemment. Donc c'est pas vraiment celle qu'on a eue. So sudden. I never had a chance to tell you how happy you made me. Donc voilà, on comprend un peu plus de choses. Donc pour ceux qui n'ont pas trop compris, donc voilà, nous sommes Alessa, hein, tout simplement. Donc en fait, Harry Mason nous a récupéré et nous a appelé autrement pour effacer toute trace. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. I'm 50-something years old. I've never seen nothing like this. I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah, I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital, okay? Roger. Point de sauvegarde qui va bien. Et en fait, nous sommes à la fin. Donc voilà, donc pour remettre un peu les esprits au clair, donc voilà, donc nous sommes allés ça, hein, comme je vous disais. Et Claudia compte se servir de nous pour. Enfin, essayer de refaire vivre ce dieu, ce qui explique que voilà, on arrive à passer du monde parallèle, etc. Et surtout, en fait, quand on se sent mal qu'on passe dans le monde parallèle, que c'est nos pouvoirs qui créent tout ça, en fait, hein, c'est toujours été le pouvoir de Alessa, hein. Et voilà. Donc, du coup, elle cherche à retourner à Silent Hill pour arrêter Claudia, à savoir si c'est une bonne idée ou pas, parce que évidemment en allant à Silent Hill, on apporte la pièce maîtresse à l'exécution, hein, donc on s'apporte nous-mêmes. Mais bon, c'est elle qui le décide, donc on verra si ça vaut le coup. Donc vous verrez ça au prochain épisode, donc on va vous dire à très vite. Pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, amusez-vous bien!